Bonjour à tous, bienvenue à ma vidéo dont je vais jouer un jeu parce que j'avais décidé de jouer un jeu de Survival Kid 2, mais là c'est le premier. Donc on va un peu y jouer pour passer le temps. Oui, nouveau. Vous avez le choix entre le garçon et la fille. Mais moi je prends le. Oups! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On peut choisir un nom, mais bon. Voici l'histoire. Ça se trouve dans un bateau. Et le garçon et son père sont les seules personnes du bateau. C'était pour faire fêter son 10e anniversaire. Un cadeau, il donne un couteau, vu que son père est un aventurier. Et quelques temps plus tard, l'orage se prépare et agite les vagues et fait tomber le. Et le héros se noie, enfin, je sais pas, et atterrit sur une île. Et pendant que le bateau coule. Le jeu commence. Donc Lost in Blue, c'est une sorte de prototype entre guillemets de Lost in Blue que sur DS et Wii. Poc, poc, poc. Qu'est-ce qui se passe? Hug. Wow. Où suis-je? Ah non, reviens le petit singe. Oh, bon, bref. Oui, tout le monde est là, il demande ce que font les autres, mais. Vous êtes tous deux sur le bateau, ouais. Ouais, t'as raison, ça t'aide pas vraiment de t'inquiéter sur les autres. Bon bah, on va chercher autre chose. On va chercher le sac d'abord. Donc, voici comment ça commence. On commence avec 100 PV. 100 PV. Ensuite, la H, c'est la faim. Le W, c'est l'eau. Et F, c'est la fatigue. Contrairement à ce que vous pouvez croire. La fatigue, la fatigue augmente et non elle descend. Contrairement à la faim et à la soif. Ça c'est un coquillage. Si vous le mangez, vous le serez paralysé. C'est très mieux de le faire quand vous le cuisinez. Mais là je peux pas le prendre vu que je n'ai pas mon sac. On va chercher le sac. Ah mais il est là le sac! Et tout le monde, je veux dire, il y a toutes choses qui sont dedans. Et on a eu le couteau et la radio. Et une allumette. Mais que faire l'allumette? Je me demandais. Ok, donc maintenant on peut prendre le coquillage. Et on va donc mais aussi le bateau. Ça, c'est une pièce de bateau qui a été coulée. Attends, laisse-moi savoir. Ah! C'est sur ce tas qu'on peut voir l'inventaire. On va l'équiper. Rien ici. Je sais, il n'y a rien ici. Ah, c'est sur le bouton B qu'il faut faire. Ok. Maintenant, je peux passer. Et on y go! Et ça commence là que la stat tombe. Il y a des champignons. Ouais, il y a grave. Il y a certains champignons qui font des bons ou des mauvais effets. Oh hey, une maison. Oh hey. Il y a quelqu'un là-dedans. Ok. Pour l'instant, il n'y a personne. On va dormir. Dormir récupère beaucoup d'énergie. Surtout quand tu es à la maison.
faut du bruit, c'est... Nya. C'est bien reposé, là. Oh, ton estomac. Bon, ben, on va chercher à manger, alors que ton estomac, c'est 50. Oh, hé, un rocher. Mais oh, les traces de pas. Oui, je sais. Je sais que c'est... Donc pour les PV. Oh attention, il y a des ruches d'abeilles. Oh my god, un sanglier! Ça fait mal les sangliers. Si tu te fais avoir par le sanglier, tu vas perdre des PV. Et quand les PV vont à zéro, tu es mort. Et une autre façon aussi de perdre les PV. Un scorpion! Ça c'est mal. Oh, je l'ai évité. Yeah. Ça fait mal les scorpions, ça t'empoisonne. Et quand tu t'empoisonnes, tu perdras des PV à chaque pas. Oui, je sais. Yes. Ça... Ça augmente la faim. T'es qui, toi? Chaque glace. On va tester. Ah, c'est la faim, oui, aussi. Attends, on va voir les stats. Ça va. Hey! Oh, c'est le chien. Ne t'approche pas! Non, il s'est enfui! Alors, on est combien là? Ok, on peut boire l'eau et remplir la gourde. Et enfin, on peut pas prendre la gourde parce qu'on n'a pas eu la gourde encore. Mais. Hé! Il n'y a rien ici, je sais. Tu peux aussi te reposer et récupérer un peu de l'énergie. Non! Je veux la gourde! Il hésite aussi une suite de Lost in Blue. Mais la version n'était pas traduite. Et j'ai envie de tester parce que j'ai vu que... Wow! J'ai vu que deux vidéos... De Lost in Blue 2. J'ai envie d'y jouer à ce jeu parce que... Ma curiosité et mon envie d'y jouer. Phew. Oh là là. On va tester... Non. Oh, il fait lui. On va dormir. Hé, j'ai dit dormir. Oh. On va voir les stats. Wow. Il a l'air affamé, le gars. Oui, 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 merci. Oh. Je ne suis pas habitué à ce genre de contrôle. On va prendre ça parce que ça va nous aider à faire... Le feu. Et le feu, c'est vraiment est très utile. Surtout pour la cuisine et la survie. Wow. Silence. Non. Oh my god. Là, on ne peut pas. Un serpent. C'est aussi, c'est vénéneux. C'est vénéneux. On va voir si on va trouver un rocher. Merci. Double merci. Ça, je me souviens. Oh! Te voilà, toi, je t'ai cherché. Toi, plus ça. Ouais. Et vous obtenez le Fire Starter. Pour faire du feu, quoi. Attends.
Oui, parce que tu ne sers à rien. On va prendre un autre. Non. Wow, c'est chaud. Maintenant, on va le faire cuire et le manger. Miam, 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 délicieux. Certains des objets récupèrent 10 PV et c'est très utile. Mais aussi, tu peux aussi dormir. Ça récupère aussi 10 PV à chaque sommeil. Oh non, il pleut. Il pleut, bonheur. Entre les sèches. On est à combien de vidéos? Combien de minutes là? Bon ben, on se revoit pour une autre partie. À la prochaine.